Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne va pas être très longue, c'est juste pour vous donner des petites explications. Donc vous avez déjà pu m'entendre dire que j'avais peut-être l'occasion, enfin j'avais peut-être envie d'organiser un calendrier de l'Avent sur ma chaîne. Donc ça va commencer le 1er décembre et ça se terminera bien sûr le 24 décembre. Comment ça va se passer? Voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors, ça va se passer, moi, tous les jours, du 1er décembre au 24 décembre, 1er au 24, je vais faire chaque jour une... Alors, je vais commencer à préparer mes vidéos à l'avance, parce que sinon, ça va être très long. Enfin tout au moins la première, oui, non, ah ben non, je pourrais pas les faire à l'avance, bon enfin c'est pas grave, chaque jour je vais faire une mini vidéo, voilà, pour vous faire gagner un lot, un petit lot, ce calendrier de l'avance, c'est ça, hein, c'est pas des gros trucs, hein. Voilà, donc chaque jour je vais vous faire gagner un lot. Vous n'aurez que 24 heures à chaque fois pour participer, voilà, parce que bon, je vais pas mettre 7 jours, sinon on y est encore à Pâques, hein. Voilà. Donc chaque jour vous aurez une mini vidéo qui durera quelques minutes, hein, juste le temps de présenter le petit lot que je vais vous faire gagner. Donc, vous aurez jusqu'au lendemain pour jouer. Enfin, non, pas jusqu'au lendemain. Vous aurez jusqu'à... Oh, c'est compliqué pour les horaires, mais... j'essaierai de mettre les vidéos de bonne heure. Voilà, j'essaierai de mettre la vidéo de bonne heure vers 9h du matin, un truc comme ça. Et vous aurez jusqu'à au soir, jusqu'à... jusqu'en soirée pour faire, pour voter, voilà, enfin pour voter, pour participer. L'horaire, on en reparlera sur la première vidéo, je suis pas encore très très claire dans ma tête pour ça. Alors, il y aura des lots de toutes sortes, ça peut être pour la broderie, ça pourra être pour le diamond painting, ça pourrait être peut-être pour le tricot, on verra. Peut-être qu'il y aura des lots pour le scrap, pourquoi pas. Je vais faire de tout. Mais voilà, il y a des boutiques à qui j'ai demandé s'ils acceptaient de participer au calendrier de l'Avent. Et j'ai déjà eu des réponses positives de certaines boutiques. Là, j'attends encore des réponses de d'autres boutiques. Qui vous offre des lots, dont une très grande boutique française qui va vous offrir des lots. Et là, il va y avoir, cette boutique-là offre 5 lots, voilà. Mais bon, je vous en dis pas plus. De toute façon, le premier jour, je commencerai le calendrier de l'Avent avec les lots de cette boutique. Faisons un lot de cette boutique, puisque comme il y en a 5, je vais mettre les 5 lots sur les 24 jours. Je vais les dispatcher. J'ai d'autres boutiques donc qui m'ont offert des lots également. Et moi, j'en ai, bon, vous savez que j'ai du stock, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Moi, bien sûr, je vous rajouterai des lots de ma poche, enfin de ma poche. Tous les lots, enfin les trois quarts des lots que je vous mets en concours, de toute façon, c'est toujours des lots que j'ai reçus en partenariat, ça vous le savez. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Donc voilà, donc soyez au taquet à partir du 1er décembre pour la première vidéo. Et je vous dis, vous ne pourrez voter que... le lot du premier, vous voterez le premier, le lot du deuxième, etc. Mais enfin, là, pour les horaires, tout ça, je vais voir comment je vais faire.
Voilà. Mais chaque jour, donc à partir du 2 décembre, chaque jour, vous aurez le nom du gagnant ou de la gagnante. Par contre, pour plus de facilité pour moi et par mesure d'économie aussi, je garderai tous les lots, les 24 lots, tout le long du mois de décembre. Et malheureusement, vous ne les aurez pas pour Noël, j'en suis désolée, mais vous les aurez juste après Noël, parce que j'irai une seule fois à la poste ou à Mondial Relais. Je verrai aussi comment je vais faire, hein. Je vais voir pour que ce soit le moins cher possible pour moi, de toute façon. Donc, je ne ferai qu'un seul voyage. J'espère que vous le comprenez. Je ne ferai qu'un seul voyage et ce sera la semaine entre Noël et Nouvel An. Voilà. Donc, normalement, pour Nouvel An, vous devrez tous avoir reçu votre lot. J'espère que cette façon de faire va vous plaire, mais de toute façon, même si ça ne vous plaît pas, j'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement parce que je ne vais pas mettre ma voiture en route chaque jour pour aller à la poste ou à Mondial Relais déposer un colis. Je pense que vous le comprenez par les temps qui courent. Et puis en plus, là, c'est le mois de décembre. Voilà. Donc voilà, bah, je pense avoir donné les grandes lignes de ce calendrier de l'Avent avec plein de surprises pour vous. Il va y en avoir des très jolies. Bon, de toute façon, elles seront toutes très jolies, hein. Oui, voilà. Bon, si jamais vous avez des questions, allez-y, hein, en commentaire, posez vos questions. Comme ça, si vous voulez savoir avant que les premières vidéos se mettent en ligne, si vous voulez un peu plus de renseignements, n'hésitez pas. Mais voilà. Donc, le 1er décembre, il y aura la première mini vidéo. Alors je ferai une playlist exprès pour ranger toutes ces vidéos-là sur une seule playlist. Comme ça, vous pourrez toutes les retrouver au même endroit. J'appellerai sûrement cette playlist-là calendrier de l'Avent tout simplement. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les vidéos. Mais vous ne pourrez pas, je vous rappelle, vous ne pourrez participer à chaque jour. À la date qui est donnée. Voilà, le premier, vous allez. J'ai du mal à parler aujourd'hui, j'en suis désolée. Le premier, vous allez participer pour le premier, le 2 pour le 2, le 3 pour le 2, pour le 3. Voilà, ne soyez pas le 6 décembre et venir reparticiper le premier. Là, ce ne sera pas pris en compte, hein, bien sûr. Bon, voilà, j'espère avoir été claire. Je bafouille, je bafouille, je bafouille, je jette. Ça ne veut pas sortir ce matin, c'est lundi matin et ça a du mal. Allez, j'espère que bah, ce petit calendrier de l'Avent va vous plaire. Voilà, ce sera les dernières surprises de l'année, bien sûr. Après, on reverra l'année prochaine pour en faire d'autres. Mais là, ce sera les dernières de l'année. Voilà. Il y a toujours également les surprises de mon anniversaire. Il y a 4 vidéos. Pensez à y aller les voir si vous ne l'avez pas encore fait. Donc là, il y a une vidéo par thème. Donc une vidéo pour poussière d'étoiles, une vidéo broderie, une vidéo diamond painting et une vidéo tricot. Donc c'est les surprises pour mon anniversaire que je vous offre. Donc, si vous n'avez pas encore participé, vous avez encore le temps jusqu'au 25 novembre. Après, il sera trop tard. Allez, je vous laisse. J'avais dit que je faisais une petite vidéo. On est déjà à 10 minutes. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.